Nous sommes ici au sein de Bucultura, qui est un atelier chantier d'insertion qui cultive des légumes biologiques 100% bio, certifiés. Et en même temps, nous adhérons aussi au Jardin de Cocagne, qui est un réseau national d'insertion avec comme support d'activité la production de légumes biologiques. Nous employons à ce jour 25 salariés en insertion qui ont des contrats de 5 mois à 24 mois. Sur lesquels on travaille un projet professionnel, on travaille les freins en termes d'insertion pour qu'à la fin de leur passage au sein de Bocultura, ils aient soit une formation qualifiante, soit un emploi. Je crois que c'est une dynamique intéressante. Et puis le travail de la terre est vraiment très intéressant pour accompagner et très valorisant. C'est un travail qui est très varié puisqu'on va du semis à la récolte, au travail de la terre, à la vente. Et donc on adapte les postes en fonction des compétences des salariés qu'on peut accompagner qui vont de tout âge, de 18 à 58 ans, de toute nationalité, de tout parcours. C'est toute cette variété qui fait la richesse de notre structure. Nous produisons plus de 60 tonnes de légumes biologiques qui sont distribués à plus de 350 adhérents. Qui reçoivent leur panier toutes les semaines, mais qui peuvent aussi venir, s'ils le souhaitent, au sein de notre marché, puisque nous avons un marché qui est le mercredi matin et vendredi matin, où les gens peuvent venir acheter leurs légumes biologiques. Pour autant, on souhaite développer un nouveau projet qui est un jardin pédagogique. Il nous semblait intéressant de développer une activité en lien avec le maraîchage, mais qui apporte d'autres compétences, des compétences relationnelles, des compétences d'animation, et qui soit en lien avec un public différent, qui soit la jeunesse. Il me semble important que les jeunes puissent comprendre comment sont produits les légumes, d'autant plus des légumes bio. Et c'est un travail qui va être fait en liaison avec les écoles, les centres sociaux. On adaptera l'animation en fonction, je dirais, des catégories d'âge, des objectifs pédagogiques que peuvent avoir les écoles ou les centres sociaux. Et cette démarche-là va nous permettre en même temps de créer 3 emplois. Donc on allie, je dirais, à chaque fois le social, l'environnemental et l'économique. Un projet qui va nous permettre d'aménager un jardin pédagogique sur 1000 m² avec des zones d'accueil, avec des zones de stockage, avec une serre qui va permettre d'accueillir des enfants sur toute l'année. Nous comptons sur votre vote pour soutenir notre projet qui nous semble important puisqu'il allie insertion, emploi, environnement, éducation de notre jeunesse et promotion, je dirais, de liens sociaux sur le territoire à travers un projet qui est quand même très intéressant qui est la culture de légumes biologiques. Encore merci à tous et merci de votre soutien.